C'est quoi? C'est Artemisia ou quoi? C'est Artemisia. C'est quoi? Où est Artemisia? Fais-moi Artemisia. Ça, c'est quoi? Mais apporte-moi un sachet d'Artemisia, tu mets dedans. Ouh, voilà. Bonjour, 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 bonjour. J'espère qu'on est tous très massivement. Et si vous connaissez un fils de prophète, il faut le taguer. Je vous en prie, taguez-les. Taguez. Tous les fils de prophètes, taguez-les. L'apôtre Patrick Canaan, demandez-lui de se connecter. Bon. L'apôtre Patrick Canaan est où? Taguez-le. Dites-lui que son père le cherche. William Leco, Arsène Bic. Tous mes fils, Révérend Brice, tout le monde, Révérend Augustine, tous les fils de prophètes, taguez-les. Dis-leur que je suis en train de les chercher. Je voudrais parler avec eux. Tout le monde là, tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Tous mes fils là, taguez-les, taguez-les. Je les cherche. Prophète Jérémie. Prophète Kwam. Prophète Justin. Prophète Djabéashi. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc voilà, taguons tout le monde et partageons la vidéo, s'il vous plaît. Taguez vos frères, invitez tous mes fils là, toute la garnison des prophètes, tout le monde. Je pense que je dois partager avec vous une ou deux choses ce matin, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, tout le monde, taguez les autres, prophète Jérémie est là, prophète Justin est là. Appelez même au téléphone, appelez-les, dites-leur qu'il y a une sainte convocation pour la garnison des prophètes et pour tous les fils de prophètes. Je vois le prophète William Leco. Je vois le prophète Nathanaël, c'est bien. Ils sont où ce matin? Et c'est tout le monde là. Pasteur Hendrix. Voilà. Donc, taguez-les. Appelez-moi au téléphone. Dites que le Père est en direct. Ils veulent s'adresser à tous les fils et les filles de prophètes, toutes les servantes et serviteurs de Dieu. Taguez-les. Vous avez le numéro de certains. Appelez. Appelez-les. Appelez. Dites que je suis en direct. Je suis en train de demander que tous soient là. Fille comme homme, comme femme.
Oh, merci Saint-Esprit. Donc, tout le monde là, il faut les inviter. On doit discuter ensemble, partager une ou deux choses. Seigneur, merci pour ta grâce. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Nous te bénissons et nous te servons de tout notre cœur. Nous voulons t'aimer dans notre nation et te servir au milieu de cette nation. Prends contrôle et glorifie ton saint nom. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Ouf. Bon, je pense que on va commencer. On va commencer. On voit lesquels les pouces bleus. On voit lesquels les pouces bleus. Et on va commencer notre direct et partager la vidéo. Taguer tout homme de Dieu que vous connaissez. Tout homme de Dieu que vous connaissez. Taguer. Taguez-les, envoyez-leur un tag pour les inviter. Aïe. Voilà, nous disons merci à Dieu pour ce nouveau jour qu'il nous accorde. Bénissons son nom pour sa grâce, parce qu'il est souverain. On a vu encore sa faveur sur nous. Et je pense que c'est un honneur d'être compté parmi ceux que Dieu a choisis pour faire élever son nom au Cameroun. Et ce matin, j'ai donc tenu à parler avec la garnison des prophètes, avec tous les fils de prophètes, avec tous les fils de prophètes. J'espère que le son est bon. Tous ceux qui ont le ministère, tous ceux qui aspirent au ministère, tous les hommes de Dieu, voilà, j'ai eu à cœur cette occasion-là à partager avec chacun d'entre vous. Lorsqu'on observe aujourd'hui de façon attentive, on regarde, il y a beaucoup de fils de prophètes qui n'arrivent pas à se démarquer dans leur génération. Lorsqu'on sert Dieu, mes amis, ce n'est pas pour échouer. Donc, on ne tient pas compte des personnes qui disent, ah non, ce n'est pas le nombre qui compte. Ce n'est pas guérir les gens qui est important, ce n'est pas prophétiser qui est important, parce que pour ces gens, rien n'est important finalement. Et si vous prêchez, vous citez la parole, vous la récitez, ils disent que non, ce n'est pas en récitant la parole de Dieu que ça veut dire que. Vous parlez en grec, on dit, ah, ce n'est pas le grec qui sauve. Finalement, rien en fait n'est bon. Rien n'est essentiel. Dès que quelque chose les dépasse, alors pour justifier leur paresse, ils disent non, on n'a pas besoin de ça. De quoi est-ce qu'on a besoin? La conclusion simple et vraie, quand il faut être sincère, c'est que personne ne veut servir Dieu pour échouer. On doit être d'accord sur ça. Personne n'aimerait servir Dieu pour échouer. Même ceux qui disent des choses comme celle-là, en cachette, en secret, prient et jeûnent. Prient et jeûnent pour que Dieu puisse les bénir, que Dieu puisse les sortir de l'anonymat, que Dieu fasse grandir leur église. Quel berger n'aimerait pas voir son troupeau grandir? Non. Non, mes amis. Tout le monde veut réussir dans le ministère. En tout cas, moi, c'est ce que je sais. C'est ce en quoi je crois. Je ne suis pas un homme de Dieu pour échouer. Je ne peux pas servir Dieu pour échouer. Donc, on est d'accord que lorsqu'on fait quelque chose, quel que soit ce qu'on fait dans la vie, on a besoin de réussir. On a besoin d'aller de l'avant. Avant de continuer, je voudrais revenir d'abord sur une parenthèse. Je reviendrai sur une parenthèse. Vous savez, mes amis, lorsque quelqu'un est suscité comme prophète dans une génération, il faut être humble pour le reconnaître. Et lorsque ton frère a un don, un talent, que Dieu ne t'a pas donné, il ne faut pas le combattre. Et une autre chose, lorsqu'un prophète prophétise sur quelque chose, il ne faut pas tout simplement
s'opposer à ça, commencer à parler, commencer à l'insulter, commencer à dire du n'importe quoi. Il faut attendre et voir. Il faut observer et voir. Parce que ce n'est pas une question, on est vivant, on est tous vivants. Quelqu'un dit que demain il va pleuvoir. Pourquoi se mettre à l'insulter? Pourquoi commencer à faire des posts mauvais, méchants sur lui, disant c'est un faux prophète? Il a dit que non, on attend seulement demain. On attend demain. Et quand demain arrive, s'il ne pleut pas, comme ça on va parler. Et s'il pleut, ça va t'épargner d'une honte évitable. Donc on est dans une génération pressée, une génération qui est pressée de parler, qui est précipitative. Et c'est ça que c'est une génération qui est aussi dans la confusion. Elle est confuse en fait. Confuse pourquoi? Parce que Dieu parle. On dit, les gens se disent, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Il y a tellement de prophéties que j'ai données dans le passé que les gens ont contredit. Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, lorsque je me lève et que je dis, ainsi parle l'Éternel, les gens se taisent avec la plupart des personnes. Ceux qui ne connaissent pas les œuvres de l'Esprit, ces ivresses à travers les moindres que je suis, eux, ils peuvent parfois se lever et parler et dire une ou deux choses. Je ne suis pas prophète par moi-même. Et comme j'ai dit dernièrement, je ne suis pas devenu prophète parce que je voulais trop être prophète. Moi, Dieu m'a baratiné. Pendant 2 années, j'ai fui. Les anges de Dieu m'ont pourchassé jusqu'à me ramener. Et je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. C'est la grâce du Seigneur, mes amis. C'est la grâce du Seigneur. Ça fait quelques années. J'ai donné une prophétie et je ferai un direct spécial sur ça demain. J'ai donné une prophétie. Demain à 5 heures. Parce qu'à partir de demain, j'aurai une série de directs à 5 heures du matin. J'ai fait une prophétie. J'ai fait une prophétie récemment sur le président Joe Biden. J'avais appris une nouvelle de ce qui s'était passé aux États-Unis. J'ai appris une nouvelle. Et comme j'étais en train d'apprendre la nouvelle, la parole de l'Éternel est venue à moi. Je ne sais pas s'il y a des gens ici en direct qui se souviennent de la prophétie. La parole de l'Éternel est venue à moi. Et quand la parole de Dieu est venue à moi, le Seigneur m'a dit, quand tu iras à l'église ce matin, déchire ta veste, déchire-la. Et tu diras, ainsi parle l'Éternel, je déchire la royauté de déchu, le président Joe Biden. Après cela, je pense que les gens ont tellement parlé, les gens ont parlé, les gens ont parlé, les gens ont insulté. Que d'accord, il n'y a pas de problème, on va voir. Je n'ai plus jamais parlé, je suis resté tranquille. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens ont compris ce qui s'est passé avec Joe Biden, sa démission. Et la passation de la présidence, il a démissionné. Les gens lui ont dit, on ne veut pas de toi, c'est son propre camp. Pour que les gens comprennent que Dieu est Dieu, qu'il domine sur le règne des hommes. Il a voulu, mais les gens lui ont dit, on ne veut plus, on ne veut pas de toi. Nous ne voulons pas de toi. Malgré tout ce qu'il a fait, une forte pression, il était obligé de démissionner. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel. Il ne faut pas que les gens méprisent le ministère des prophètes dans l'Église. C'est un ministère redoutable. Et je reviendrai sur ça après, c'est une parenthèse. Alors, il y a des principes que vous devez connaître dans le ministère-ci. Mes amis, on ne fait pas le ministère pour échouer. On ne fait pas le ministère pour devenir une honte, une risée. L'apôtre Paul a donné un principe simple. Il dit, nous ne sommes pas du milieu de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Beaucoup de serviteurs de Dieu, de jeunes serviteurs, de jeunes servantes de Dieu, échouent dans le ministère à cause du mépris de la paternité et du bafouage des lois ministérielles. Le ministère est régi par des lois spirituelles. Il y a deux choses principales qu'il faut maîtriser
Quand vous êtes un fils de prophète, la première chose, c'est la sacralité de la paternité. La sacralité de la paternité. Donc, la paternité est quelque chose de fondamental. Dieu lui-même en étant le modèle fondamental. Il est le modèle principal. Il est la pierre de l'angle. Un fils qui ne respecte pas son père, qui ne respecte pas les principes de la paternité, ne peut pas aller loin. Parce que tu ne peux pas mépriser la source qui t'a fait, qui t'a nourri. Tu ne peux pas. Et c'est là que beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu dans ma génération échouent. Beaucoup échouent à cause de cela. Vous n'avez aucun respect pour les pères. Aucun respect. Il a annoncé que nous serons au foyer Bandjoun. Au foyer Bandjoun, c'est au foyer Bandjoun pour 3 jours. Mardi, mercredi, jeudi. Tous les soirs à 17h, nous serons au foyer Bandjoun. Dieu va se glorifier puissamment. Donc ce lundi, c'est un peu un jour de préparation et transition pour entrer au foyer Bandjoun. Et je voudrais dire à toute la population de Yaoundé d'être présente pour ces 3 jours de bénédiction, de consultation divine. Dieu nous fera grâce, Dieu nous bénira. Je bénis Dieu pour le culte d'hier. Je disais au peuple que j'aimerais moi aussi m'asseoir et pouvoir profiter, bénéficier de quelques grâces du Seigneur, comme c'est le cas avec eux. Ils s'asseyent, ils regardent les œuvres merveilleuses, mirobolantissimes de l'Esprit de Jésus-Christ, et puis ils acclament, ils sont contents et ils rentrent chez eux. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une grâce, c'est une bénédiction de voir de telles choses dans notre génération. Donc mes amis, la paternité, la loi de la paternité. Un fils doit respecter son père. Je vais lire un passage dans la Bible ici. Il dit, c'est Malachie chapitre 1. Malachie chapitre 1, le verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Ouais. Donc Dieu lui-même ici revendique le droit de la paternité. C'est le droit de la paternité, il va avec le droit de filiation. Un fils, il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. C'est une loi en fait. Un fils doit honorer son père. Il doit respecter son père. Il doit parler de son père avec crainte et tremblement. Et il faut comprendre une chose. Ce qui tue beaucoup d'entre vous, c'est que vous fustigez les pères, vous méprisez les pères, vous rectifiez le ministère de vos pères. Pourtant, vous vivez dans des erreurs parfois très compliquées. C'est-à-dire, vous allez avec les femmes à gauche, à droite, ta vie de sanctification, elle n'est pas juste, elle n'est pas droite, elle n'est pas justifiable devant Dieu. Toi-même, tu es un lépreux, mais tu parles de ton père sans respect. Pourtant, tu sais que tu ne vis pas dans une vie, ta vie avec les femmes, c'est pas bien. Ou dans tel domaine, tu n'es pas normal. Tu n'es pas sérieux. Il y a des choses encore que tu dois travailler dans ta relation avec Dieu. Mais tu oublies toutes ces choses-là et tu malparles de ton père. Tu méprises ton père spirituel. Je vous dis la vérité, à cause de cette loi, beaucoup de fils de prophètes échouent dans le ministère. Tu ne peux pas réussir dans le ministère en bafouant la loi de la paternité spirituelle. Ce n'est pas possible. Et dit un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Donc ça veut dire que lorsqu'on est fils, il y a un honneur qui est dû au père. Il y a un honneur que tu dois donner à ton père. Tu dois l'honorer. J'étais dernièrement à Berthois. J'ai fait une campagne de 3 jours là-bas à Berthois. Je pense que c'est 3 jours, oui. 3 jours à Berthois. Et Pendant que j'étais dans la ville, il y a un de mes fils qui a aussi organisé une campagne dans la même ville. Il faut savoir que la ville, c'est moi qui l'affecte là-bas. C'est moi qui l'affecte comme pasteur dans cette ville-là. Il va à Berthois. Il va être pasteur là-bas. Et Dieu va l'utiliser de façon extraordinaire, et j'apprécie son travail. J'ai beaucoup apprécié son travail. C'est un enfant qui travaille, ça il faut le reconnaître. Et qui a un avenir dans le ministère. Mais l'avenir, le don, le talent, ne valent pas le respect des principes spirituels. Ouais. Donc,
Je suis dans la ville, j'organise la campagne, j'apprends. Je n'étais pas au courant. C'était à Berthois. Qu'on me dit que il y a un de tes fils tel qui a campagne à Berthois. Ce sont ses frères qui viennent me dire qu'il a campagne à Berthois. Et voilà. J'ai dit, ok, d'accord. Bon, moi, personnellement, je n'aime pas trop m'immiscer dans les affaires des gens. Je suis focalisé dans ce que je fais. Mais je pense que c'est après que j'ai fini ma campagne qu'ils m'ont dit où il avait fait sa campagne et tout cela. Mais, ce qui est choquant, ça veut dire que je fasse une campagne à Berthois, il y a un fils qui fasse une campagne. Pendant que je fais campagne, je pense quelque part que c'est un manque de sagesse. Quoique ça ne me pose aucun problème. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est qui a envoyé le message? Laissez-moi lire un peu le message là, qui m'interpelle. Fille de Tour Eiffel. Dadi, la dame de Villabé, pour qui vous avez prié en Dogbon, a finalement perdu son pied. Oh, je suis désolé vraiment pour elle. Mais il faut que vous compreniez une chose. C'est que les hôpitaux sont faciles à amputer les gens, à prescrire des choses aux gens pour l'argent. Non pas parce que c'était une nécessité absolue. Il faut comprendre cela. C'est une parenthèse. Si la parole de l'Éternel est sortie, quelqu'un s'accroche à ça et dit à l'hôpital, je ne veux pas. Et le Seigneur manifeste sa gloire. Parce qu'il est fidèle. Je sais ce que Dieu est capable de faire. J'ai mon fils, votre frère, l'apôtre Rudolf. On a dit qu'on opérait sa femme. On doit opérer sa femme. On ne peut pas opérer. On ne peut pas ne pas opérer sa femme parce que le cordon ombilical tourne autour du cou de l'enfant. Les médecins sont venus 6 pour opérer sa femme. La veille, c'était la nuit. Il a dit au médecin, je ne peux pas accepter qu'on touche ma femme tant que je n'ai pas eu mon père au téléphone. Voilà ce qu'on appelle la loyauté. Le droit, respect des lois de la paternité spirituelle. Il a dit, vous ne touchez pas ma femme tant que je n'ai pas mon père. Il a appelé toute la nuit. On n'a pas pu parler. C'est le matin qu'il m'appelle. J'étais chez le prophète Kamto. Quand il m'appelle, je lui réponds que je suis occupé. Mais il m'explique. Quand il m'a expliqué, il dit qu'on a dit que le cordon ombilical est autour de l'enfant. Et si on essaie de faire accoucher sa femme par voie basse, alors l'enfant va mourir. Et la vie de la maman sera aussi en danger. Et je lui ai dit que quand je regarde, je ne vois pas le cordon autour du cou de l'enfant. Je ne vois pas. C'est qu'on dit que c'est serré. Je ne vois pas ça. En tout cas, je ne vois pas. Je lui ai dit, demande au médecin que tu veux faire un tour hors de l'hôpital. Va dans un autre centre. Parce que je lui ai dit que c'est que je vois. On veut te prendre l'argent. Il devait dépenser plus de 600 000 francs. Alors les docteurs, ils savent ça. Les hôpitaux savent ça. Ça veut dire qu'au lieu d'une opération, un accouchement qui doit prendre peut-être 30 000 et l'opération est 650 000, on va opérer ta femme, ils s'en foutent. La plupart s'en foutent. Et je lui ai dit que sois avec ta femme. Va dans un centre, n'explique rien. Dis que tu veux qu'on fasse l'échographie, on voit. On a fait l'échographie, on a regardé, les résultats sont venus. Il n'y avait pas de cordon autour du cou de l'enfant. Il est parti. Voit les médecins là pour leur dire comment va-t-il l'échographie. On dit qu'on ne voit pas de cordon autour du cou de l'enfant. Ils ont dit, ah, ils ne savent pas. Ah, ils se sont joués. D'autres ont fui. D'autres ont commencé à dire, alléluia, tout ça. Et il est retourné. J'ai dit, change de centre. Il a changé de centre. Maintenant, il va dans un autre centre. On fait l'échographie. On lui dit qu'on voit le cordon autour de l'enfant, mais ce n'est pas serré. Je lui ai dit, c'est des apparences. Ta femme accouchera sans opération. Et elle a accouché sans opération. Donc, c'est pour répondre à notre sœur. Parfois, lorsque la parole a été dite, et que la parole de l'hôpital est dite, on peut vous amputer le pied sur quelque chose où Dieu vous avait déjà délivré. Donc, j'arrive donc dans la ville. Et mon fils là arrive et il fait le programme. Règle numéro 1, laissez-moi vous annoncer les principes du ministère. Mes amis, mon souhait pour vous, c'est que vous brillez. C'est ça mon souhait, c'est que vous brillez plus que moi. Mais vous ne pouvez pas briller plus que moi si votre loyauté envers moi n'est pas plus grande que ma loyauté envers mes pères. J'ai toujours expliqué que j'ai été quelqu'un de très loyal envers mes pères et aujourd'hui encore, je suis très loyal dans mes relations. Très loyal dans mes relations. Vous ne me verrez jamais venir dénigrer un ami. Non, jamais de la vie.
Vous ne me verrez jamais venir, je m'assois. Comment ça dit, tel est comme ça, tel est monté, tel est descendu. Même quand on m'a offensé en secret, je ne viens jamais. Parce que la loyauté pour moi, c'est une seconde nature. Et c'est comme ça, j'ai appris ça depuis mon enfance avec mes pères spirituels. Donc, règle numéro une, ton père a une campagne dans une ville. Normalement, tu annules la tienne. Tu renvoies ta campagne. Ça, c'est règle numéro une. Bon, à défaut, moi, personnellement, ça ne me pose pas un problème. Qu'il fasse une campagne, et puis dans une petite ville comme celle-là. Et puis voilà. Et toi, le fils, et tu fais une campagne. Ça, je n'ai pas de problème personnellement, mais je parle des lois spirituelles. À l'époque, quand j'étais encore plus jeune, quand notre papa spirituel arrivait, papa Nsotukea arrivait, quand il arrive à Yaoundé, même si tu fais quoi, tu arrêtes ce que tu fais. Nous tous, on ne se retrouve pas en gousso. Dès qu'il arrivait, la nouvelle partie comme une traite de poudre. Mais tu es un père, tu arrives dans une ville où tu as des fils. Ils savent que tu es dans la ville, mais ils sont plus occupés que toi. Je pose la question, vous êtes donc fils en quoi? Tu es fils en quoi? Parce qu'un fils apprend du père, ce n'est pas un fils qui enseigne le père. Le père est l'enseignant, le fils est l'apprenant. C'est un manque de sagesse en fait. Normalement, quand ton père arrive quelque part, je quitte ici, je suis à Kribi, j'ai des fils là-bas. Tu es un fils à Kribi et j'ai un programme. Tu ne viens pas t'asseoir pendant le programme pour voir Dieu agir, pour te connaître la grâce de ton père, pour t'asseoir au pied de ton père. Tu ne comprends rien des lois de la paternité. Tu ne comprends rien. Et donc ça, j'ai dit, ce n'est pas un problème. Je vais faire combien de jours? Peut-être 4 jours ou 3 jours dans la ville de Berthois. Ce mon fils va faire aussi les mêmes jours là-bas, les mêmes journées là-bas. Le programme fini et je rentre. Il n'est jamais venu me voir, demander où est son hôtel. Venez dire, papa, j'ai un programme dans la ville aussi, je suis venu pour le programme. Comment vous allez? Je suis venu vous saluer, bénissez-moi et je le bénis. Je vous dis la vérité. Je vous pose la question parfois, comment vous réfléchissez? Non, sincèrement, quelqu'un devant qui tu t'es mis à genoux, qui a imposé les mains sur toi, qui a prié pour toi, il faut faire attention. Il y a ce que la Bible parle de la loi du charbon, le charbon ardent. Il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont les charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ce n'est pas une question d'ennemi. Le principe qui ressort de ce passage de la Bible, c'est que quand quelqu'un t'a fait du bien, il faut faire attention, il faut respecter ce bien-là. Il n'y a pas un plus gros mépris que ça, en fait. Tu es dans la vie, ça montre simplement que tu n'es pas un fils, tu es un patron, tu es un grand. Ton père, tu as le même programme dans la même ville que ton père. Tu ne le cherches pas. Bravo. Vous êtes très fort. Le Dieu que vous servez là, il est très fort, je vous assure. Et c'est ça l'erreur que vous commettez. Et vous devez comprendre que les portes s'ouvrent devant ceux qui sont obéissants et respectueux envers les lois spirituelles. Ça, qu'on ne vous trompe pas. Ne pensez pas que c'est le talent qui donne le succès dans le ministère. Ne pensez pas ça. Ne pensez pas que c'est l'intellectualité, le zèle, la bonne volonté. Non, c'est le respect d'un ensemble de lois spirituelles. Tu ne peux pas être dans une ville. Ton père est là, il a une campagne. Même si tu n'annules pas ta campagne, la soumission et la loyauté seraient tout simplement de venir voir ton père, le saluer. Sincèrement. Maintenant, la question que je vous pose, vous réfléchissez même souvent comment? Qu'est-ce qui vous arrive? Sincèrement, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est le plus petit qui s'humilie devant le plus grand. Qu'est-ce qui vous arrive? Comment vous pensez? C'est-à-dire pour vous, Dieu même, c'est qui? Le ministère, c'est quoi? Le ministère, mes amis, ce n'est pas prêcher, ce n'est pas prophétiser, ce n'est pas rassembler, ce n'est pas ouvrir une église, donner le nom. Le ministère, c'est ce que vous ne voyez pas là. C'est ça le ministère. Moi, tu ne peux pas... comment je vais dire ça? Vous connaissez l'alliance que j'ai avec Dieu. Vous la connaissez. Vous qui avez été avec moi, vous connaissez. Et si tu ne respectes pas celui qui fut ton père et que c'est par lui-même que tu as connu Christ, c'est entre ses mains que tu connais Jésus. Toute ta formation vient de lui. C'est-à-dire que le revêtement que tu as aujourd'hui vient de lui.
Et tu arrives dans une ville, il est là, tu ne vas pas vers lui, tu le méprises. Mais attends, comment le Dieu que je sers va t'honorer, mon frère? Comment le Dieu de ton père va-t-il te respecter? Allez relire les fils de prophètes loyaux. Et vous relisez aussi les déloyaux. Et vous revenez, vous faites la somme. Et ça a toujours été comme ça. Ça n'a jamais changé. Ça ne changera jamais. Regardez ce qui a fait la force de Josué. Il était au pied de Moïse. Pose-toi la question. Est-ce que Josué pouvait organiser une campagne dans une ville où Moïse est là? Jamais de la vie. Il est soumis au pied de son père. Il a attendu. Il a honoré son père. Il faut faire attention, mes amis. Vous allez dans le mauvais sens. Vous allez dans le sens interdit. L'histoire, si ce n'est pas à celui qui court vite, c'est pas au fort. Ça vient de Dieu. C'est la main de Dieu. Le ministère, il y a quelque chose dedans que vous ne comprenez pas. Et j'ai toujours dit une chose. Pour qu'un fils dise qu'il est mon héritier, il doit faire ce que je fais. Et quand je dis ce que je fais, ça veut dire, il doit avoir, vous connaissez, nos églises au Cameroun. Nous avons des méga églises. Dans toutes les villes du Cameroun où nous sommes établis, notre église la plus petite à 700 mètres carrés. Et elle est pleine. C'est l'église de village, je pense bien. On a des grandes églises. À Douala, l'église est sur plus de 2000 mètres carrés. Yaoundé, c'est plus de 2000 mètres carrés. Au Togo, c'est 3500 mètres carrés d'église. En France, quand je vais, c'est les salles de près de 2000 mètres carrés qui sont pleines, abondées. Et il faut que vous remplissiez vos coupes comme ça. Parce que si vous vous asseyez et puis vous commencez à calculer le nombre de personnes que nos églises rassemblent par semaine ou par mois, c'est des dizaines de milliers de personnes. Parce qu'on n'a pas de petite église à Réma, et vous le savez. Maintenant, il faut arriver à ce point et dépasser ce point, traverser ce point. Mais pour le faire, mes amis, je vous dis la vérité, tu ne peux pas mépriser ton père et être comme lui demain. Ce n'est pas possible. Donc ce qui vous tue, c'est ça, l'orgueil. L'orgueil. Et l'orgueil dans rien. L'orgueil dans zéro. Et laissez-moi vous rappeler une chose, mes amis. Moi, j'ai commencé le ministère, mes yeux n'étaient pas dans l'argent. Et mes yeux ne sont pas dans l'argent. Il faut que les gens comprennent cela. Pour ceux qui ont connu comment j'ai marché avec Dieu jusqu'à aujourd'hui, on a fait des programmes où on veut demander l'offrande. J'ai dit aux gens qu'on ne donne pas l'offrande aujourd'hui. Quel pasteur peut faire ça? Une fois, les fidèles ont cotisé, c'était à l'agence Le Cap, pour acheter ma voiture. Il y avait mon seul monticule d'argent à l'hôtel. J'ai pris cet argent, j'ai dit que chacun vient reprendre. Et j'ai repris. Plusieurs fois, j'ai annulé les offrandes. Ou parfois, j'ai oublié les offrandes. Jusqu'à aujourd'hui, quand vous voyez comment je sers le Seigneur, parfois quand j'ai fait l'offrande d'alliance, moi je pars. Je reste là pour insister trop sur voilà, il faut ceci, il faut cela. Combien de gens sont venus même de l'Europe me voir, me donner des milliers de dollars et je refusais. Parce que l'Éternel, mon Dieu, m'a dit, tu ne touches pas. Et beaucoup, combien ici au Cameroun sont venus me voir pour donner l'argent. J'ai prié sur ça, je leur ai remis leur argent. Donc, ce n'est pas ma priorité. J'ai une mission que je vais accomplir dans ma génération. Écrire l'histoire, réécrire l'histoire, rectifier certaines erreurs de l'histoire de l'Église au Cameroun. Apprendre à la génération qui est en train de venir que c'est possible avec Jésus. Être un modèle, un encouragement, une source d'inspiration pour vous tous. Mais mes amis, il faut faire attention. Si vous regardez bien, sincèrement, Dieu m'a tout donné dans la vie et dans le ministère. Dieu m'a tout donné. Des enfants magnifiques, des fidèles extraordinaires, des gens qui m'aiment dans l'Afrique, en Europe, en Asie, partout où j'arrive. Les gens reconnaissent l'œuvre et l'action de l'Éternel entre les mains du vermisseur, le moindre que je suis. Vraiment, je peux envier quoi un fils? Qui a quelque chose à envier de quelqu'un? Qui a quelque chose à vouloir de quelqu'un? Qui a quelque chose à désirer? Quand je désire une chose, l'Éternel me la donne. À cause de mon alliance avec lui. Mais sincèrement, mes amis, l'orgueil, orgueil sur quoi? L'altruisme, la mégalomanie, sur quelle base? Sur quelle base? Donc, c'est ça qui vous tue. Vous condamnez vos pères. Tu n'as pas mon niveau, mais tu passes ton temps à fustiger ce que je fais. Tu ouvres ta bouche contre ton père. Mon ami, tu es maudit. Tu es maudit, tu es sous la malédiction. Il faut que vous le sachiez. Un enfant qui condamne son père maudit, la Bible dit, maudit soit l'enfant qui demande à son père, pourquoi m'as-tu enfanté? Pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Il dit, maudit soit cet enfant. Et dit que le fils doit sortir de l'honneur pour son père.
On a suivi un de mes fils. Il y a l'église qui a rendu témoignage sur comment il m'aime, comment il est loyal, comment quand il prie que le manteau de mon père soit sur lui. Et il dit qu'on l'avait licencié. Il a prié une nuit. Celui qui a porté son licenciement a été licencié à sa place. Lui, on l'a plutôt élevé. Il est en train de monter dans le rang des directeurs. J'ai dit à l'église, ça c'est ce qui arrive aux fils loyaux. Dieu les récompense. Le Dieu de leur père les récompense. Dieu témoigne entre vous et vos parents en fait. Ce que vous dites en secret. Dieu lit cela. Dieu le connaît, il le sait en fait. Donc ne te compare jamais à ton père. Ne fais jamais la compétition avec ton père. Je te dis la vérité. Sinon vous n'arriverez jamais où on est arrivé. Vous n'arriverez pas. Vous n'arriverez pas. Parce que c'est Dieu lui-même qui sera votre ennemi. Dieu lui-même sera votre ennemi. Il faut faire attention. Il y a des lois. La paternité est sacrée. On ne joue pas avec la paternité. Tous les fils de prophètes qui se sont érigés contre leur père dans la Bible ont mal fini. Il n'y a pas un seul qui est bien fini. Tous. Vous connaissez ce qui est arrivé avec... Géasi, vous le savez, vous connaissez ce qui est arrivé avec Absalom qui s'est révolté contre son père. Il est mort. Géasi est sorti lépreux. Vous connaissez ce qui est arrivé à Corée, Dathan, Abiram. Ils sont morts en plein jour. Vous connaissez ce qui est arrivé à Aaron et Marie, frappés de lèpre. Pourquoi? La paternité. Ils ont violé les lois de la paternité. Donc, il faut que vous compreniez ces choses-là, ce mystère. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et la Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tes jours... Attendez, je lis même ça d'abord, Éphésiens. C'est Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Il dit, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement. Il dit, enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, un enfant qui veut être heureux et qui veut voir son ministère aller loin, cet enfant ne doit réussir. Vous savez, les anglophones ont compris ce qu'on appelle le principe de paternité. Il y a un homme de Dieu, je ne sais pas si c'est Duncan, l'archevêque Duncan, qui a raconté l'histoire, ou c'était encore qui là. Son papa, il a eu le problème avec sa femme, je pense que c'était lui. Il a eu le problème avec sa femme, il avait une grosse église, des milliers de personnes. Il a le problème avec son épouse. Son épouse va porter plainte chez son père spirituel. Son père spirituel le convoque, je pense que c'était Papa Benson Idaouza, quelque chose comme ça. Il le convoque. Il dit à son père spirituel que je ne viens pas. Et son père, mon frère, son père spirituel lui dit, parce que papa Idaouza, lui, ne jouait pas. Hein. Il te maudit, tu meurs là, tu t'assèches, c'est fini. Son père spirituel lui dit au téléphone, lui dit, si tu ne, comme tu as dit que tu ne viens pas, c'est mon manteau, comme ce n'est pas mon manteau que ton église a de milliers de personnes, je te retire cette grâce. Il dit que le dimanche prochain, l'église était vide. L'autre dimanche, l'église était vide. L'autre dimanche, l'église était vide. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a calculé, papa Idaouza, il descendait de l'avion dans un aéroport. Il est arrivé, il a tenu son pied. Papa Idaouza a voulu se dégager. Il a attrapé son pied pour dire, papa, j'ai péché contre toi, demande pardon. Il a pleuré, pleuré, pleuré. Papa Idaouza lui a dit que j'enlève la malédiction, là, je te remets le manteau. Le dimanche qui suivait, son église était pleine. Écoutez, tu peux penser faire des exploits, mais la désobéissance et le déshonneur vis-à-vis des pères peut te faire ne pas être ce que tu dois être normalement. C'est-à-dire que tu devais être plus que ça. Ta gloire devait être internationale. Mais tu méprises le père, celui qui t'a... Ouais, mon frère, tu es malade dans ta tête, quelque chose ne va pas. Soit tu fumes le chanvre indien, ou tu bois le ha, ou le diable t'a aveuglé. Tu ne jamais s'ériger contre un père. C'est une erreur, mes amis. Puisque c'est l'Esprit de Dieu qui est sur moi, qui est sur vous. C'est l'alliance que je porte qui vous a élevé. Cette alliance, elle est vivante, mes amis. Et elle est témoin entre vous et moi. Et entre les pères et les fils. Faut faire attention à ces choses-là.
Ne jouez pas avec la loi de la paternité. Faut pas jouer avec. La loyauté, le respect, l'obéissance, la soumission, c'est la sagesse. C'est la voie de la sagesse. C'est pas une faiblesse, c'est la sagesse. Honorer son père. Normalement, un fils qui dit que t'as ça, c'est mon père. Tu ne viens pas voir ton père les mains vides. De deux, tu ne passes pas le temps. Quand tu as l'occasion de venir chez ton père, tu viens. Tu peux laver le sol. Tu dis, papa, je vais laver la voiture. Vraiment, tu sers, tu sers. On dirait que c'est cet Élisée qui versait l'eau dans les mains d'Élie. Il lavait les mains d'Élie. Il lavait. C'est ça, servir. Si tu es loyal envers tes pères, voilà pourquoi moi, la déloyauté ne m'a jamais vaincu. Jamais. Et elle ne me vaincra jamais. Parce que j'ai une alliance de loyauté envers l'Éternel, mon Seigneur. J'ai été fidèle à mes pères. J'ai été loyal envers eux. Je me suis jamais érigé contre l'un de mes pères. Jamais. Jamais de la vie. J'ai toujours respecté. Mais quand j'ai subi des injustices, je n'ai jamais répondu à l'un de mes pères. Aucun de mes pères ne m'a jamais convoqué et j'ai dit je suis occupé ou bien je suis fatigué. Même à quelle heure, ça avait toujours été une fierté. Et je l'ai fait. Et c'est pour cela que quelqu'un ne peut pas être déloyal envers moi. Voilà, détruit mon ministère et il réussit. Je disais à quelqu'un avant de faire le direct que tu m'as observé un peu. As-tu vu ce que l'alliance de l'Éternel, mon Dieu, est capable de faire? J'ai vu des gens mourir à cause de cette alliance. Des gens s'assécher à cause de cette alliance. Les gens dont la vie s'est détériorée à cause de cette alliance. J'ai vu tellement de choses se passer dans la vie des gens autour de moi qui ont méprisé l'alliance que je porte. Elle est sincère, elle est réelle, elle est vraie, elle est palpable, mes amis. Vous qui avez côtoyé cette grâce, cette alliance, vous seriez loin aujourd'hui. De ça, c'est la première loi. Ne prends jamais ton père pour ton égal ou ton rival. Ne fais jamais de guerre contre ton père. Même s'il a tort, à partir du moment où tu lui déclares la guerre, tu as perdu la guerre d'avance. Parce qu'il est ton père. Tu ne luttes pas contre ton père. Tu ne parles pas contre ton père. Tu ne sabotes pas ton père. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. La deuxième règle fondamentale que beaucoup n'ont pas compris. Ne bâtis jamais ton ministère avec les brebis de ton père. Et je le dis et je répète, si tu fais le ministère avec les brebis de la bergerie de ton père que tu as détourné pour faire ton ministère, et ton ministère réussit, c'est que je ne suis pas un homme de Dieu. C'est que je ne suis pas un homme de Dieu. Ces lois-ci, personne ne me les a enseignées. J'étais pasteur aux assemblées de Dieu. 2009, j'ai fini l'école de théologie. J'ai fait la théologie 2 années, de 2007 à 2009, vers Banga, là-bas, Côte d'Or. J'étais formé. Et quand j'ai fini ma formation, en 2009, on m'a affecté à Yaoundé. Et Jésus m'est témoin. Quand on m'a affecté à Yaoundé, l'église avait 2 brebis. Un jeune homme qui était à l'université et un vieux policier qui était retraité. Et j'ai travaillé. L'église des assemblées de Dieu à l'époque avait 60 personnes environ. 60 personnes, sans émission de radio, sans rien. On était 60 personnes. Lorsque j'ai quitté les assemblées de Dieu. Et avant de quitter, j'ai pris une lettre d'émission, j'ai écrit ma lettre. Je suis allé à Douala, chez l'ancien président national des assemblées de Dieu. Je l'ai trouvé, je l'ai rencontré, j'ai pris ma démission et je lui ai expliqué pourquoi je partais. Il a prié pour moi et je suis parti. En paix. Et je suis parti sans dire au revoir à l'église. Je n'ai pas pris une brebis là-bas. Pourtant, c'est moi qui avais amené toutes ces personnes. Je pouvais dire, ok, j'ai trouvé 2. Je laisse les 2 que j'ai trouvés. Je pars avec ceux que j'ai amenés. J'ai commencé mon ministère sans leur brebis. Parce que je connaissais déjà ces lois-là. C'est aussi pour cela que mon ministère ne peut pas être cassé. Ce n'est pas possible. Parce qu'il était qu'il te sera fait comme tu as fait. Et c'est bicaméral. Ça a 2 sens. Si tu as fait du mal, il te sera fait du mal. Tu as fait du bien, il te sera fait du bien. Il te sera fait comme tu as fait. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le Seigneur me garde, le Seigneur me préserve. Beaucoup de gens ont voulu casser ce ministère, détruire le ministère dès le début, se sont érigés. Mais Dieu qui est fidèle à nos semences, le Dieu qui garde l'alliance de ses serviteurs, il m'a toujours défendu. Pourquoi? À cause de ça. Au contraire, on a progressé. Pendant chaque année, il y a un exploit que je fais davantage avec le Seigneur. Bah, Dieu connaît mon cœur, mes amis. Je n'ai pas bâti mon ministère sur le sang de quelqu'un. Quand tu commences ton ministère en détruisant le ministère de ton père, en parlant mal de ton père, en t'associant aux rebelles, à ceux qui jadis et naguère se soulevèrent contre ton père, alors vous faites une association de ramassis
et tu vas faire ton ministère avec ces gens, je te dis la vérité, tu n'iras pas loin. Tu viens de briser une des lois fondamentales, la deuxième loi la plus importante après celle de la paternité. La loyauté. Ne bâtis jamais ton ministère sur le sang de quelqu'un d'autre. Non. Et de surcroît, le sang de ton père. Ne bâtis jamais ton ministère. Tu es sous un père. Il a été avec toi. Il a pris soin de toi. Il t'a gardé. Il t'a enseigné. Il t'a fait confiance. Il t'a exposé. Il t'a fait connaître. Et tu as sympathisé avec les gens. Tu as noué des relations avec les gens. Tu peux ouvrir ton ministère. Tu commences à rassembler les gens de gauche à droite, de gauche à droite. Tu es déloyal. Tu es déloyal. C'est l'esprit d'Absalom. Absalom, pour frapper David, il a détourné le cœur d'Israël. Il s'est montré plus gentil que David, plus disponible que David, plus accessible que David, plus bon que David. Et il a séduit le cœur d'Israël. La Bible dit au bout de tel nombre de temps, le cœur d'Israël s'est détourné de David. Parce qu'il était là, il embrasse les gens, il a fait bisous et tout ça. Il a dit, ouais, le roi, il est dans son palais. Moi, je suis à votre disposition. Et il a fait les gens, il est parti avec les gens, il les a séduits. Il a séduit leur cœur. Il a péché contre l'Éternel. Il a péché contre la loi de la filiation. Et il allait bâtir son ministère avec les brebis de son père. Son père ne l'avait pas maudit. Mais le Dieu de son père lui a fait barrage. Et il est mort, mes amis, sans jouir de son ministère. Ne faites jamais ça. Quand tu veux faire le ministère, et que tu commandes le ministère en sabotant ton père dans son univers, dans son ajout, I tell you the truth, tu vas mourir. Tu vas mourir. C'est ça. Ne lève jamais la main contre ton père. Ne travaille jamais contre ton père. Ne bâtis pas ton ministère avec les brebis de quelqu'un qui a été ton père, qui t'a accueilli dans sa maison. Parce que c'est une trahison qui n'a pas de nom. Elle est diabolique. Il n'y a que le diable qui a fait ça dans la Bible. C'est le diable qui l'a fait, qui a commencé à le faire. C'est lui qui détourne, qui a détourné les créatures de Dieu. C'est pour ça que Dieu ne peut pas pardonner à Satan. Parce qu'il a fait grave. Donc un fils qui détourne les brebis de son père pour aller aussi ouvrir son ministère, commet le même péché que le diable. Je te dis la vérité, tu porteras l'anathème sur ta tête. Le ministère, laissez le temps. Le ministère, c'est pas... Il y a pour que les portes de la nation vous obéissent. Pour que les portes de la nation vous obéissent. Il faut respecter les lois du ministère. Et elles obéissent à ceux, aux fils qui respectent ces lois, qui sont dignes devant Dieu. Donc quand vous faites ça, automatiquement, ce que tu as fait à ton père te sera fait. Ces mêmes personnes-là vont casser ton ministère demain et te feront vivre des misères que tu n'auras jamais souhaitées. Moi, je ne peux pas aujourd'hui. Quelqu'un vient, il me dit, je suis la brebis du prophète Kanto ou je suis la brebis du docteur Enoka Narcisse et je veux persévérer chez vous. Mon ami, je ne fais pas ça. J'appelle ton père sur place. J'appelle ton père sur place. Je l'appelle. C'est le principe, les principes du ministère. Il y a tel, tu le connais, oui. Il avait moi ici, il dit comme ça. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ah oui, ça va. Il parlait là-bas, non, c'est un rebelle. Je vais lui dire, retourne chez ton père. Et quand quelqu'un vient me voir pour accuser son père, et dit que Dieu lui a dit, persévère, vraiment, je lui dirai, retourne chez ton père, réconcilie-toi avec ton père. J'ai eu un fils, dernièrement, qui voulait se marier à Rema. Je ne savais pas. J'étais à un deuil. Et puis son père, c'est-à-dire son précédent père, son père, l'église où il était précédemment. Un homme de Dieu m'interpelle, il me dit, ah, vous avez mon fils dans votre église là-bas. Et voilà, il a fait beaucoup de désordres chez nous. Et il a dit que Dieu lui a dit de partir chez vous, vraiment parce que vous êtes son père et c'est chez vous qu'il doit persévérer désormais. Mais il nous a fait beaucoup de mal, il m'a méprisé tout ça. Je lui ai dit que je ne savais pas. J'ai donc appelé devant lui, le révérend Junior, pour savoir, je pense que c'est le révérend Junior, pour m'enquérir de la situation. On m'a dit oui, justement. J'ai dit, ok, suspendez le mariage. Dites au jeune homme, je veux le voir. Le jeune homme est venu, je lui ai dit que, je lui ai posé les questions, tu sors d'où, il a dit tout, ton père c'est qui, il a dit tout. J'ai dit, apparemment, tu es quitté là-bas en le méprisant. Il a donné l'explication, il a donné, je lui ai dit, écoute, le mariage ne peut pas être célébré tant que tu ne peux pas demander pardon à ton père. Ton père doit m'appeler.
pour me dire oui, j'accepte qu'il persévère à Réma. Parce que c'était un homme de Dieu. Et donc, il est retourné là-bas. Et il a fait, s'il le faisait pas, on ne célébrerait pas son mariage. Je ne peux pas encourager un enfant à être rebelle contre son père. Parce que c'est ouvrir une brèche aussi. Pour que ceux qui seront infidèles me concernant puissent m'avoir. Non, mes amis. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais un fils là. J'avais des problèmes avec un différent avec le docteur Jean Dokamdem. Et il a fait un commentaire injurieux, insultant vis-à-vis du docteur Kamdem. Non! Il était pasteur dans une église. Et pas, il était en Gamoudéré. Je l'ai enlevé comme pasteur. Dada, la note de service est sortie. On l'a ramené à Yaoundé. Il est revenu à la base. Et je lui ai dit de se battre pour avoir le docteur Jean Dokamdem, lui demander pardon. Sinon, il ne sera plus pasteur. Son ministère s'arrête là-bas. Je lui ai dit, de quel droit oses-tu insulter une autorité, une gloire dans notre nation? Je ne sais pas par quelle tractation il est passé. Il a eu le docteur Jean Dokamdem. Et il lui a demandé pardon. Le docteur Jean Dokamdem a pardonné. Voilà comment on l'a remis dans ses fonctions. C'est ça qu'on appelle la loyauté, le respect des règles spirituelles. La Bible dit que celui qui tuera par l'épée mourra par l'épée. N'oubliez jamais ça. Le mal que tu fais, il te sera fait. Et surtout, ne vous dirigez pas contre quelqu'un qui ne vous a pas fait de mal. Non, ne faites pas ça. C'est un manque de sagesse. Moi, je suis un père. Tout ce qu'un père peut faire pour les enfants, c'est pour les faire grandir. Les punitions, les reproches, les diatribes, toutes ces choses-là, c'est pour te former, pour t'aider à être. Mais si vous êtes des enfants rebelles, quand on dit à un enfant, ne fais pas ceci, on punit un enfant, il se révolte, il part, parce qu'il a déjà son ministère et tout. Le tout n'est pas d'avoir le ministère, mon ami. La route est encore longue. La route est longue. Voici, je suis au Cameroun. J'ai 12 ans de ministère aujourd'hui. 12 ans de ministère. Mes amis, je parlais avec le docteur Noka l'autre jour. 12 ans de ministère, la même ferveur, la même vitesse, la locomotive de mon ministère monte. On va d'exploit en exploit, on monte. Ça même, ayant traversé les moments que vous connaissez, l'épreuve que j'ai eue en 2021, vivant, c'est-à-dire qu'étant même quelqu'un qui a été éprouvé d'une manière extraordinaire, d'une manière fracassante, d'une manière, c'est-à-dire que la manière la plus cruelle. Mais malgré cela, malgré ces blessures, malgré ces épreuves difficiles, que peu subsisteraient. J'ai continué à faire des exploits au nom de l'Éternel des armées. J'ai continué à combattre les guerres de l'Éternel, mon Dieu. Mon ministère, en 12 ans, a continué à monter, à s'élargir. Que ce soit au Cameroun, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Et 2025, c'est une année de l'invasion du monde entier. En 12 ans, mes amis, 12 années. Le docteur Noka me disait, quand on était à Douala l'autre jour, il me dit, homme de Dieu, je n'arrive pas à comprendre. Après 12 ans, j'étais à Douala dernièrement. L'église de Douala, peut-être 8 ans ou 7 ans. Il dit, l'église est toujours pleine comme au début. Elle est pleine comme au début. Les gens ont le même engouement. Et laissez-moi vous dire quelque chose, mes amis. L'alliance est forte. Je suis à la bire aujourd'hui. Nous sommes à la bire. Quand on a construit la bire, on avait les bus. Il y avait les bus, mes amis. Les bus transportaient les gens gratuitement. Par mois, j'ai dépensé près de 3,5 millions pour payer le transport aux gens, faciliter les choses. La société des bus s'est éteinte. Les bus ne sont plus utilisables. Alors, notre église, Réma, la Bible, c'est l'église, l'une des églises les plus excentrées à Yaoundé. Quand je vois la Bible, je pensais seulement à mon frère et ami, le prophète Méhéric. Son église est comme ça aussi. Lui, il a même la grâce que son église est quand même à côté du goudron. Mais s'il n'y a pas les taxis, c'est à côté du goudron. C'est-à-dire que les gens arrivent au goudron. Mais moi, les taxis s'arrêtent au carrefour Kouaban. Et le carrefour Kouaban, pour l'église là, c'est pas moins de 5 à 6 à 7 kilomètres. Parce que de l'église pour le goudron, c'est au moins 1,5 km. Puis c'est nous qui avons fait le goudron là-bas, avec un ami du quartier, à deux. Mais les gens quittent sans bus. C'est une fortune. Ils se battent et quittent la ville. Ils viennent en Kouaban. Parfois, ils marchent d'un Kouaban jusqu'à l'église. 5-6 km. Après le culte, il n'y a pas de taxi.
Les gens viennent à l'église après le culte. Ils marchent à pied jusqu'au carrefour Kouaban. Ils font 5-6 kilomètres à pied. Mes amis, combien d'hommes de Dieu verraient leur ministère subsister là-bas si ce n'est pas la main de Dieu là-bas? Si ce n'est pas la main de Dieu, si ce n'est pas que les gens ont vu Dieu, que Dieu a parlé à leur cœur, qu'ils ont senti Dieu, que Dieu les a attirés, sincèrement. Combien d'hommes de Dieu les gens quitteraient pour aller souffrir comme ça? Pourtant, il y a des églises en ville bien placées. Où tu arrives assis à l'église, tu fais le culte, tu sors là 5 mètres, 10 mètres, tu prends ton taxi, tu rentres chez toi. Mais les gens marchent à pied des mamans, des papas pour venir à l'église, mes amis. Chaque fois que j'arrive à la Bible, que je regarde les gens, ça je n'ai jamais dit ça, j'ai de la peine pour tous ceux qui sont assis, j'ai de la peine. J'ai seulement dans mon cœur, quel amour pour toi Jésus, quel amour. Maintenant vous vous imaginez, lorsque l'on aura une église en pleine ville de Yaoundé, ce que ça va représenter, ça sera comme Douala. Douala, je fais le culte lundi, mardi ou mercredi, c'est des milliers de personnes qui viennent, l'église est pleine à craquer, on ne sait pas où on va mettre les gens. Et là, c'est une ville où je ne suis pas. La même chose pour Berthois. Berthois, on a une église qui est bâtie sur 1000 mètres carrés, sur un terrain de 2000 mètres carrés. C'est plein comme ça jusqu'à dehors. Ngaoundéré, c'est la même chose. Ngaoundéré, je pense qu'on a l'église peut-être sur... Non, c'est Ngaoundéré qui doit être la plus petite église, je pense. Elle est peut-être sur 500 mètres carrés. 500 ou 700 mètres carrés, c'est quoi? On a construit notre chapelle là-bas. Là-bas aussi. Quand on arrive, la main de Dieu puissante, mes amis. Donc, il faut craindre Dieu. Ces choses-là, c'est mon ami, c'est la grâce, c'est l'alliance. On ne joue pas avec, c'est l'alliance. On prend quelqu'un, on le met à la bille là. Les gens vont, l'église, là, il va faire dimanche culte seul là-bas. Mais les gens payent le prix. Tu sens que le signe de Dieu est sur eux. C'est un voyage. Moi-même qui suis ici, pour arriver à la bille, c'est au moins une heure de temps. Là, je prends le raccourci. Mais les gens voyagent tous les dimanches. Ils viennent. Voilà pourquoi, comment Dieu ne va-t-il pas bénir ceux qui viennent? Il te bénira d'abord pour le sacrifice que tu as fait pour être là. Dieu reconnaît d'abord ça. Donc, bien-aimé, je voudrais dire au fils de prophète, le ministère est très simple. En même temps, il est compliqué. Soyez disciplinés. Respectez les règles et les lois de la paternité, les lois de la loyauté, et Dieu vous amènera très loin. Soyez humble. Vous n'êtes pas encore arrivé. Le chemin est long encore. Il y a des esprits dans ce pays que si vous les affrontez maintenant, ils vont vous casser. Il y a des problèmes que si ça arrive dans cette nation-là, vous serez fini. Mon ami, aucun petit arbre ne peut grandir sans le soutien d'un gros arbre. Là, il y a un adage qui dit que les petits arbres grandissent sous l'ombre des gros arbres. Respectez vos pères. C'est la clé de votre succès. Voilà, bien-aimés. Ce soir, nous serons, mardi, mercredi, jeudi, cette semaine, nous ouvrons le programme Foyer Bantoum. Je voudrais tout simplement dire à tout le monde d'être avec nous. Soyons connectés massivement. Soyons très nombreux à ce grand programme. La gloire de Dieu se manifestera puissamment au Foyer Bantoum. 3 jours de délivrance, 3 jours d'élévation. Donc, rendez-vous. Mardi, mercredi, jeudi, Foyer Bandjoun tous les soirs. Et après Foyer Bandjoun, je serai à Douala par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et n'oublions pas, mes amis, à partir de demain, mardi, nous allons faire le direct à 5h du matin. À 5h du matin. 5h du matin. Passons l'annonce. 5h, on va ouvrir les portes de chaque journée, désormais, ensemble. Que Dieu te bénisse et que sa grâce, si je ne suis pas toujours, soit ton partage. Passe une belle journée au nom de Jésus-Christ. Shalom.